Alors bonjour, une nouvelle vidéo de présentation sur du Star Wars Solo. Donc on est avec la boîte 30, 238, 239 et 248. Et on a Han Solo, Chewbacca et Han Solo. Donc voici les boîtes. Je vous montre, voilà. La collection, c'est la même pour tout le monde. Les dessins. Voilà. Et le dessus des boîtes Han Solo standard, voilà. Chewbacca avec les lunettes et Han Solo avec les lunettes aussi. Donc on va commencer avec la 238. Donc c'est Han Solo. Il est avec sa tenue presque traditionnelle. Donc il a la ceinture, la veste en cuir marron, son blaster iconique, voix depuis toujours, le holder et toute la tenue qui va bien avec tous les petits gadgets autour de la ceinture. Voilà pour lui. Bon, rien de spécial, il est vraiment bien fait. Ensuite, on va prendre Chewbacca. Là il est avec les goggles. Donc en fait il porte les lunettes, c'est parce que ça doit être au moment où ils font l'attaque du train en pleine neige. Donc en fait il a des lunettes parce que le train se déplace très très vite, et donc il faut pas que sa vision soit gênée. Il a déjà un super blaster et ses cartouchières comme à l'habitude. Voilà, avec sa sacoche sur le côté ici. Voilà. Et sinon, il a un look super sympa avec ses lunettes, les goggles. Voilà. Et pour finir, on finit avec Solo. C'est une édition limitée ou spéciale, je sais plus de chez qui. Mais on le voit aussi, donc aussi en tenue hiver avec les lunettes pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils font une attaque sur un train, donc comme le train se déplace très vite, ils ont besoin d'y voir, donc ils ont les lunettes, il neige en plus, il est en super tenue d'hiver, donc par-dessus sa tenue traditionnelle, on le voit, il a c'est un gros manteau de fourrure, il a toujours son super blaster, la même ceinture avec tous les gadgets, plus des attaches pour se fixer au train. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà l'ensemble des ces trois-là. Oui, puis voilà. Bah, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Et abonnez-vous. Merci à vous. Allez, au revoir.